On est le 10 août aujourd'hui, et donc c'est aujourd'hui que je quitte Tokyo pour aller à Kamakura, au sud de Tokyo. それがわからねえから出かけんのさ。どっかにもっといいところがある。誰でもそう思って探してんのさ。En attendant, on va faire une petite visite de l'appartement. Évidemment, tout marche avec des portes coulissantes ici. Voilà. La salle de bain. Ah, par contre, c'est format japonais. Hein. C'est-à-dire que le lavabo, il m'arrive à peu près au genou. Je sais pas si ça se voit. Voilà. Donc c'est pas très grand. Il faut pas être trop grand. D'ailleurs, j'arrête pas de me cogner partout en fait. Obligé de faire comme ça tout le temps. Voilà. Hop. Alors la douche elle est géniale parce que c'est une douche à la japonaise avec d'un côté là où on se savonne et de l'autre une baignoire mais où on doit d'abord être rincé avant de l'utiliser. Et ça peut faire sauna aussi puisque on peut s'enfermer totalement dans le truc. Hop. Donc ça peut faire sauna et d'ailleurs c'est extraordinaire parce que on règle la température de l'eau chaude ici. Ouais. Hop. Alors, je veux une eau à 45 degrés. Hop. Et voilà. En plus, il n'y a pas besoin d'attendre que ça chauffe. C'est 45 degrés direct. Alors, les toilettes, rien de spécial, si ce n'est que quand on tire la chasse d'eau, il y a une petite fontaine au-dessus. Au-dessus de la chasse d'eau, il y a une fontaine. Voilà. Avec du désodorisant, ou si on veut, on peut se rincer les mains ici directement. Ça, c'est la machine à laver. Alors, heureusement qu'on m'a expliqué comment ça marchait parce que j'aurais jamais su déchiffrer tout ça sinon. Dans les couverts, on peut toujours se brosser pour trouver des fourchettes. Par contre, évidemment, il y a des baguettes. Le salon chambre, évidemment, porte coulissante aussi. 4 télécommandes. Une pour la télé, une pour la clim. Une pour le lecteur de DVD et CD. Et ça, je crois que c'était une manette Wii au départ. En fait, c'est juste pour éteindre la lumière sans avoir à aller jusqu'à l'interrupteur. Hop, et voilà. Bon, en même temps, l'interrupteur est juste à côté. La lampe de chevet est très sympa. Parce que c'est tactile pour l'activer. Hop, voilà. 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 Et voilà. J'avais pour consigne dans l'appartement de m'occuper de la plante. Donc je m'inquiétais un petit peu au début, mais en fait non, on m'a expliqué qu'il s'agit juste de lui parler de temps en temps. Mais bon, je lui ai moins parlé qu'à la caméra en fait. Et là, on a une terrasse. Voilà. Qui fait un peu moins d'un mètre carré. Voilà pour le petit tour de l'appart. Are you okay?
je me suis arrêté à la gare de Kitakamakura. Alors qu'est-ce que Kamakura? C'est un endroit où la nature est encore bien préservée et qui fourmille de temples et de sanctuaires en tout genre. Donc voilà, ça a l'air très très bien. Et j'ai une randonnée de 2 heures qui m'attend, dont le point d'arrivée sera l'auberge de jeunesse où je vais dormir ce soir. Voilà, on est le 10 août, il est 14h38 et j'ai rendez-vous à 17h à l'auberge. Et j'ai bien sûr mon gros sac, très très lourd, donc ça va en plus être sportif, donc c'est très bien. Et il fait un temps magnifique, voilà. La plus grosse cloche du Japon. Elle date de 1310.